l'appelle Lucky Luke de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous détonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Au sacré Lucky Luke. Et hors la loi, n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. C'est moi, l'ami. Merci bien, l'ami. Bonne journée. Ça vient de Washington, Jolie. À l'attention de Lucky Luke, stop, acheté Oklahoma, stop, signé le président. C'est vraiment bizarre. Pourquoi acheter l'Oklahoma qu'on a eu tant de mal à donner? Je crois que vous y trouverez. Le climat beaucoup plus chaud qu'ici, monsieur Luc. Allons-y. Et c'est ainsi que je partis vers l'Oklahoma pour racheter aux Indiens ce territoire que le gouvernement leur avait donné en 1830. Washington vient d'expédier ça pour vous, Luc. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez acheter avec cette verroterie, l'Oklahoma? Ouais. Washington veut ouvrir le territoire à la colonisation. Puisque le gouvernement est si généreux, il devrait fournir le cheval avec. Garde, John! Yopé! Yopé! Où allez-vous, l'ami? Devinez! Oklahoma pour accaparer la terre sans payer! Tigred! Hello, Tigred! Merci bien! C'est de Washington. Stop. Post-scriptum, après avoir acheté l'Oklahoma, stop, vous devez surveiller rue inévitable aux colons. Signal départ 22 avril 1889, midi très précise, stop. Grand ennui vivre dans Oklahoma. Au moins ça aura rien coûté. Oklahoma pas valoir grand-chose.
S'en débarrasser être difficile. Ah, grand chef blanc à Washington m'envoie pour racheter ce territoire. Quoi ? Vendre ? Ce paradis ? Mais nous, très bien ici. Pas question, ou alors beaucoup monnaie. Les négociations furent difficiles. Mais l'affaire fut enfin conclue. Pour donner une chance égale aux colons et leur permettre de choisir les meilleures terres, je devais m'assurer que le territoire était inoccupé avant le jour de la ruée. Élu, nous sommes déjà mis. Désolé, mon vieux, mais tout le monde doit partir en même temps. Et tous du même endroit. Certains furent plus difficiles à faire déménager que d'autres. De quoi se plaint-il ? C'est moi qui fais le déménagement. D'autres ne reculèrent devant rien pour prendre de l'avance. Eh ben, le soleil descend vite par ici. Tiens, encore une fois. Ah, pas mal, l'ami, mais la ligne de départ est de l'autre côté. Enfin un peu d'ombre. Rentre en plan. Ça, c'est drôle. L'ombre connaît mon nom. Ah, je ne sais pas ce que tu fais ici, mais il faut revenir à la case départ. J'ai perdu l'ombre, mais j'ai trouvé mes deux amis. John! Attraper les resquilleurs est une chose, mais porter un sac à puce en est une autre. Il commençait à y avoir pas mal de monde sur la ligne de départ. Je suis le capitaine Fuller. La cavalerie m'envoie ici pour vous aider à maintenir l'ordre. Comment va ? Je m'appelle Lucky Luke. Presque tous ces gens sont honnêtes et respectent la loi, mais il y en a toujours qui essaient de partir avant le signal. Il y a un gros chien qui cherche un os. Si je l'aide, il partagera peut-être avec moi. Qu'est-ce qui se passe ? Nom d'un chien ! C'est rentre en plan. Sors d'ici, affreux caveau ! J'ai l'impression qu'il a découvert un de ses resquilleurs, capitaine. N'enferme pas comme ça, Bustlet Bubbler. Bien joué, Rentemplant. C'est un gentil monsieur, mais j'aime mieux un os. Il va bientôt faire nuit et nous ferions bien de surveiller de près cette ligne de départ. Tu vois, Dupay, Bustlet Bubbler s'est fait prendre. C'est parce qu'il n'avait pas préparé de plan. Mais nous, on en a un. On en a un. Mais qu'est-ce que c'est ? T'occupe pas, c'est moi qui pense. Oh. Personne, accroche toutes ces casseroles à la queue de ton cheval. D'accord, Coyote, je vais le faire. Maintenant, tu peux me dire ton plan ? C'est simple, Dupay. Quand tu passeras la ligne de départ, tu feras tellement de bruit que Luke et le capitaine te poursuivront. C'est une bonne idée. Mais je serai pris et j'irai en prison. Exactement, mais je me faufilerai pour aller choisir le meilleur terrain. Quand tu seras libéré, tu auras la moitié. Alors allons-y. Qu'est-ce que ça peut être que tout ce boucan ? Ya, Charlie ! De cette façon, ils sont tous en train de poursuivre ce figure de Dupay. Ah non, ils me poursuivent aussi ! Cet imbécile de Dupay a accroché mes casseroles à mon cheval ! Ce type-là a vraiment choisi une drôle de façon de passer la ligne. Oh, quand j'aurai cet idiot de Dupay sous la main. Coyote m'a trahi ! Il a pris les casseroles à ma place. Il voulait aller en prison pendant que je prenais tous les risques. Et là, arrêtez-moi ! Je viens d'essayer de passer la ligne. Ces ruées vers l'ouest amènent les plus étranges bandits.
dis donc, Coyote, tu m'as laissé le mauvais rôle. Ah, mes crânes de cactus, je t'apprendrai à saboter mes projets. Mais c'est ta faute, ton idée était trop compliquée. Ça y est, oh. À quoi ça sert de se disputer? Moi, je veux sortir d'ici. Je suis heureux que tu en parles, Blubber, parce qu'il se trouve que moi, j'ai une idée. Appuie ta puissante épaule contre ces faibles planches, Blubber. Comme ça? Précisément. Maintenant, Dopey, sauve-toi en criant. Allez, je suis en train de me sauver. Mais non, sauve-toi d'abord. Oh là, coucou, c'est moi, je me sauve. Attrapez-moi. Maintenant, nous pouvons nous évader. Après toi, Blubber. Ah, mais qu'est-ce que tu attends? Alors, vas-y. Ah, mais je suis coincé. Ah, oh, je vais te pousser. Ah, te fatigue pas, Coyote. Attrapez-moi, coucou. Je me suis sauvé. Oh, chic, alors on commence bien la journée. C'est un nouveau jeu. Je ne m'occupais pas beaucoup de l'évasion de Dopey. Il avait l'étrange habitude de revenir lui-même en prison. Attrapez-moi, je suis en train de m'ébater. Mais personne ne me suit. Est-ce que le jeu se termine comme ça? Ce Coyote de Coyote, il m'a encore une fois trahi. Il se repose en prison pendant que je fais tout le travail. Eh ben ouais, je retourne en prison alors. Chouette, le jeu n'est pas terminé. Coucou. J'attendais, Dopey. Maintenant, le jeu est vraiment terminé. Le soleil se leva enfin sur le jour que chacun attendait. J'ai dit que le soleil se levait. Enfin, c'est le jour que tout le monde attend, Luc. Ouais. Prêt, Luc? Ouais. Je pouvais mettre mes sabots dans les oreilles. Ah, je n'ai jamais vu une pareille ruée. Ça non, je n'ai jamais vu autant de gens à la fois jouer au même jeu. Hé, Luc, et nous alors? Bon, je vais vous laisser sortir maintenant, puisque vous ne pouvez plus partir avant le départ. Mais détache donc toutes ces casseroles! Pourquoi j'ai finalement compris ton fameux plan? La ruée sur l'Oklahoma fut un succès dépassant largement les prévisions du gouvernement. En réalité, il était difficile de trouver un coin sans avoir de voisins. Des voisins vraiment très proches. Regardez, j'ai trouvé un coin que personne ne réclame. Voilà pourquoi, crâne de cactus! Va-t'en, étranger! Hors de ma propriété, intrus! Ne piétinez pas mon gazon! Oh, excusez-moi, désolé, mille pardons. Ça devient difficile de trouver un endroit où poser les pieds. Qu'est-ce qu'il dirait s'il en avait quatre? En moins de temps qu'il n'en faut pour dire Oklahoma, des villes poussaient comme des champignons. Avec des écoles, des hôtels et des écuries. C'est merveilleux, le progrès. Le devoir avant tout, Luc. Vous ferez la loi à Boomville en attendant les élections. Bon, eh bien, au revoir. Ah, un chien, il va falloir que je fasse respecter la loi et l'ordre en vitesse. Merci de votre contribution. Chacun son tour. C'est ça, laissez-les là-dedans. Non, garde ton os en ton plan. Je ne prends que les revolvers. Oh, dommage, ça avait pourtant l'air d'un jeu rigolo. Après avoir ramassé toutes les armes de la ville, j'espérais que la paix et le calme régneraient. J'avais tort.
Il y a quelque chose de drôle dans cette ville. Ouais, il y a que des maisons qui se touchent et pas de terrain. Mais c'est pas drôle. Grave de cactus. Regarde plutôt les habitants. Ils n'ont pas d'armes. Excuse-moi, l'ami, tu portes pas d'armes? Par ordre de Lucky Luke, il dirige la ville en attendant qu'on vote pour la mairie. Élection, hein? Ça me donne une bonne idée. C'est vrai, étranger, personne ne porte d'armes ici. Erreur! Topay, nous allons bientôt posséder un terrain et un commerce déjà prospère. Je m'en vais. Tout est à vous, messieurs. Mais pourquoi un commerce déjà prospère, Coyote? Cela fait de nous des citoyens honorables. Et je pourrais poser ma candidature à la mairie. Ouais, mais sans vos revolvers. Mmh. Vous feriez mieux de me les donner. Vous avez entendu, les gars. Donnez-lui vos revolvers. Personne ne me prendra mon arme. Si, moi, je la prends. Ah. Encore une chose que je comprends pas. Et voilà, on recommence à jouer à ce jeu-là. Dans les jours qui suivirent, les candidats commencèrent leur campagne électorale. Bonjour, voisin. Je m'appelle Bob Maxwell et j'espère être votre futur maire. Bonjour, voisin. Je m'appelle Coyote Will et c'est moi qui serai le nouveau maire. Ma devise, un maire propre dans une ville propre. Je m'appelle Phil Phipps. Votez tous pour moi. Je m'appelle Coyote Will, le meilleur maire pour Boomville. Le seul maire possible pour Boomville. Pas encore. Mais je m'en occupe sérieusement. Votez tous pour moi, la mairie à Tim Thomas. Il est grand temps de... De tomber dans le trou. Ça va, monsieur Luc? Vous allez voter pour moi demain? Non. Drôle de sandwich. Un homme tout cru en deux planches en bois, mais y a pas de beurre. Cette fouine de Coyote s'était non seulement arrangée pour rester le seul candidat en lice, mais encore, il prenait toutes ses précautions pour ne pas perdre. Hé, hey, Coyote! Pourquoi Blobber, il prépare si nombreux bulletins de vote pour lui tout seul? Je ne laisse rien au hasard. Crâne de cactus! Par ici, l'un après l'autre dans l'isoloir, votez pour le maire de votre choix. Votre choix? Coyote Will est le seul candidat. Ouais, il a chassé de la ville tous les autres candidats. Mais je comprends toujours pas. Tu ne dois pas voter seulement qu'une seule fois. C'est à cause de ce genre de remarques que tu n'es pas dans le coup, crâne de cactus. Chouette, ils doivent distribuer quelque chose là-bas. Ça doit être un os. Hé, doucement, l'ami. Un électeur à la fois. Bien sûr, monsieur Luc. Nous sommes de bons citoyens. Oh là, stop! Ah, je n'en suis pas si sûr. Essayer de bourrer l'urne de bulletins est parfaitement illégal. Trois bulletins, c'est pas bon. Je préfère un millefeuille avec un os à boire. T'en fais pas, Coyote Will. J'ai assez de bulletins pour tous les deux. Arrêtez, l'ami. Il n'y a qu'un bulletin par électeur. Je le disais, je vous le disais. Il n'y a qu'un seul bulletin par électeur. La ferme, crâne de cactus. Après avoir mis Blueber et Coyote en prison, j'organisais de nouvelles élections. Cette fois, les candidats ne manquaient pas. En réalité, il y en avait beaucoup trop. Tout le monde voulait être maire. Monsieur Luc, je voudrais bien être maire. Pourquoi pas, comme la moitié de Boomville. Vous voterez tous pour la paye. C'est moi, votre prochain maire. T'as fait comme maire, c'est une plaisanterie. Il n'a aucune chance d'être élu. Mais à l'époque des pionniers, tout pouvait arriver. Harry Jones, je te présente aussi. Bien sûr, Smith, tu voteras pour moi. Je voterai plutôt pour Topay, cette cervelle de cactus. Et je préférerais Topay à vous deux. Vous avez raison, votez pour moi, Leslie Perkins, et je vous promets que vous aurez 365 jours par an, sauf les années bissextiles. Ah, vous n'êtes pas plus malin que Topay, je finirai par voter pour lui.
Quand tous les bulletins de vote furent déposés et comptés, je proclamai les résultats. C'est un véritable raz-de-marée pour Dopey. Mais c'est impossible! Quoi? Mais je n'ai voté pour lui que pour voter contre toi! C'est pour ça que j'ai voté pour lui! Mais ce n'est pas sérieux! Annulez l'élection! Non! Dopey est élu régulièrement! Chalo! J'y serais jamais arrivé sans mon équipe électorale! C'est un miracle, mon vieux Coyote! Ouais! En tant que maire, Dopey nous fera sortir de prison à vitesse! Monsieur le maire désire vous voir, messieurs. Qu'est-ce que je t'avais dit? Maintenant, à nous trois, on va faire main basse sur Boomville. Cher vieux Dopey, je suis heureux de te voir. Je suis maintenant monsieur le maire. Et enlève ta carcasse poussiéreuse de mon bureau tout neuf. Tu as toujours aimé plaisanter, Dopey. Je veux dire monsieur le maire. Mais à série, j'ai des projets pour nous. On va lever un impôt pour construire une nouvelle route. Et puis on la construira pas. Exactement. On partagera l'argent et on filera. Pas tant que je serai maire. Je suis honnête maintenant. Du calme, messieurs. Toi, tu vas voir. Monsieur le maire n'apprécie pas votre projet. Ainsi, le projet d'une nouvelle route me plaît énormément. Et pour une fois, j'ai une bonne idée. Bien joué, Dopey. Cette belle route ne coûtera pas un sou aux citoyens. Tout ce travail et j'ai même pas trouvé un seul os. Arrêtez les gars, pourquoi quittez-vous la ville? Ouais, ça fait jamais qu'une semaine que je suis maire. C'est pas ta faute de paye, mais c'est à cause de l'Oklahoma. Trop de sable et pas assez d'eau. Le sol est trop dur. Et à chaque fois qu'on creuse un trou, on trouve ce liquide noir et huileux. Hey! Hey, Coyote! Attends-moi! Salut, Dopey! Oh, pardon! Au revoir, monsieur le maire! C'est triste, je suis maire d'une ville fantôme! Eh, hey, peut-être pas, il faut prévenir le gouvernement. Washington fit la réponse habituelle. Mais les Indiens se firent tirer l'oreille pour reprendre l'Oklahoma. Vous savez, grand chef, ce chien ne m'appartient pas vraiment, et je pense que c'est à lui seul de décider. Voilà un truc facile à faire. Ainsi, chacun fut satisfait. Je me débarrassai de l'Oklahoma, Rentenplant eut son os, et Dopey fut fait chef honoraire, la version indienne de maire. Et moi, j'étais débarrassé du chien le plus bête de l'Ouest. Moi, comme impression, espèce de truc huileux, voudra quelque chose un jour. Qu'est-ce que pense Huck? Huck! Rentenplan, où vous êtes parti? I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding to the setting sun. Dum de dum dum. Lonesome cowboy, do the long.